Let's stay close to them. Doncs aquí tenim la benvinguda de la ciutat de Barcelona a Pabrek Birbak, els grans vencedors d'aquesta primera edició d'una regata. Amb llums i focs, perquè no és altra cosa el que es mereixen aquests dos grans navegants. Cristòfor Colom, senyalant les Amèriques, senyalant la banda, senyalant d'allà on vinen els nostres navegants, els hi diu benvinguts. Us he tancat un favor de foc. Que tenim ara mateix a les imatges. Bon, C'est un sentiment énorme de bonheur, c'est peut-être un des plus beaux jours de ma vie aujourd'hui, c'est près de 2 ans de travail, en tout cas 1 an à ne faire que ça pour cette Barcelona, à gagner la course, c'est fantastique, que dire de plus du bonheur à l'état pur, atteindre un objectif comme ça au bout d'un an, c'est magnifique parce que l'objectif était ambitieux. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que on a fait une belle course et dès les premiers jours de course, on s'est dit on va la gagner celle-là parce qu'on s'est senti fort avec Damian. Et c'est merveilleux de tourner autour de la planète, de voir tous ces océans, c'est superbe, les animaux qu'il y a dedans. Et puis on sent à la fois petit et très grand finalement de tourner autour du globe comme ça. On se dit la Terre c'est énorme, mais bon, on peut faire le tour en 80 jours et c'est exceptionnel. Yes, it's incredible, it's a feeling of joy and very proud also to be the winner of the first Barcelona, and it's incredible. The race has been tremendously tough. I mean, for the we knew it was going to be tough, but it has been really tough, and we tried to push the boat 100% most of the time, especially during the first part of the race. It was a fierce battle with the other boat, and then we had a good battle with Hugo Boss later on, and I think we were a very good crew together with Damian, and we made the difference thanks to that. Thanks to the boat also, it's a good boat too. Yeah. It's fantastic. I mean, you know, what matters to me is just to see friends and family. And the toughest moment is when we lost the fourth day in South Atlantic, and we didn't think we'd make it here. Here we are. And it's double-handed around the world non-stop, so I don't think you can get any harder than that, to be honest. So you know, then to come back in here, and you know, the arrival has matched the trials and tribulations and the challenge along the way. I mean, there's just so many friends and family that I would never have expected to turn up here, and that's what it's all about. It's fantastic. N'a pas beaucoup changé entre le début et la fin. Pour moi, la caractéristique majeure de Damian, c'est
c'est un personnage entier. Je connais peu de personnes aussi noires et blanches que Damien, dans son sens où il est tellement à fond dans ce qu'il fait, quoi, hein, que il y a peu de place à la précision. C'est toujours on y va, mais c'est très marqué. Ce qui est frappant avec Damien, c'est qu'il dit les choses, ce qu'il pense, et on sait exactement où on en est, c'est-à-dire si c'est bien ou si c'est mal. Et finalement, c'est un grand avantage parce que les choses sont très claires. C'est, encore une fois, c'est noir ou c'est blanc. Et ce qui est bien, c'est qu'il s'applique à lui-même cette exigence d'entièreté, c'est-à-dire que ce qu'il pense, il le fait à fond, jusqu'au bout. Et voilà, si on dit qu'il faut changer cette voile, on va aller jusqu'au bout des choses et on ne va pas arrêter au milieu. Parce qu'on pense que c'est la bonne stratégie, et voilà, donc c'est pareil pour lorsqu'on a passé énormément de temps. La plupart de nos discussions avec Damien, c'était sur la stratégie adoptée. Moi, c'est ce qui me passionne peut-être le plus en bateau, c'est la vision stratégique de la route, et voilà. Et une fois qu'on avait décidé de quelque chose, on partait sur ce schéma, ce qui fait que je crois que ce qui peut-être se dégage de notre course, c'est des trajectoires assez propres, assez claires, qui marquaient une volonté d'une équipe qui un peu pas inébranlable, mais qui était en tout cas marquée. Il peut se passer des opportunités, mais la stratégie, elle restait, et parce qu'elle était décidée tous les deux. Ça, c'est pour moi sa plus grande qualité, et celle-là, elle est intacte depuis que je le connais, puisqu'on a appris à se connaître en 2001. Voilà, je crois que c'est le point principal. Et quand on fait un tour du monde, qu'on passe 3 mois, ou tout seul ou à deux, évidemment, il y a une vie qui s'installe, on est un peu dans un monde un peu fermé, même si on sait qu'il y a, et on espère, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à nous, on est même en relation permanente, on est... au téléphone, malgré tout, on ne voit pas, on ne sent pas les autres. Et puis d'un seul coup, en quelques minutes, on a des lumières. D'abord, c'est les premiers contacts, surtout quand on arrive de nuit. On a d'abord les lumières, on a du bruit, on cherche des yeux, les amis, les copains, les machins. Et puis une vague, une déferlante, comme ça, d'amitié, d'envie, de partage. Et c'est assez génial, c'est vrai. C'est pas délirant comme le football, comme la forme, mais ça reste amical, c'est ça ce qui est pas mal. Ça reste une vraie communion. On sent bien que dans le regard de ceux qui viennent d'arriver, il y a des icebergs encore, des albatros, il y a plein de choses qui font rêver. Et puis nous, quand on est resté à terre, ben on a envie un tout petit peu de se mettre à leur place. Et c'est joli une arrivée. Ouais. C'est d'ailleurs les deux beaux moments d'un tour du monde, c'est le départ et l'arrivée. Au milieu, c'est pas toujours très drôle. Creo que la magnitude de esta regata es ver Jean-Pierre Dick y a Damián Foxal, pues con esta alegría que han llegado después de haber conseguido este éxito de dar la vuelta al mundo, trasladar todo lo que han ido sintiendo en estos 92 días, cómo han convivido, cómo han afrontado todos los problemas que han tenido a bordo y sobre todo este objetivo que ellos tenían desde la salida, que era pues acabar esta regata y encima pues de ganar.